Voilà. Bonjour à tout le monde. S'il vous plaît, bipez-moi André Lutin Meka. Dites-lui que cette vidéo, c'est pour lui. Désormais, on ne laisse plus rien passer. Bonsoir Valentin Gâteau. Bonsoir, bonsoir à tout le monde et bon dimanche à vous. Maintenant, on ne laisse plus rien passer parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas le genre de choses qu'on laisse. Certes, ce matin, j'ai posté une vidéo pour dire, les gars, les sardinats bavardent beaucoup. Ça, ce sont les sardinats de Facebook. Mais ce que moi j'ai vu aujourd'hui là, depuis hier, ils disent qu'ils ont fait une petite réunion. Vous voyez le communiqué qu'ils ont pondu. Ils disent qu'ils ont fait une petite réunion. Apparemment pour créer un comité de quoi là? Comité de quoi? De défense de Brenda Bia. Je vais vous lire ça donc. Dès qu'on partage un peu là, je serai pas très long. C'est un bon petit message. Rien que pour André Lutin Meka et la milice qui a été créée au Cameroun. Parce que la vérité, c'est qu'ils sont en train de chercher un prétexte pour poser des actes contre nos familles. Et ça, c'est quelque chose qui est vérifié. J'ai reçu des informations dessus venant de leur propre cercle. Où ils nous disent que faites attention parce que les gens, ils sont en train de fomenter quelque chose où nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord. Donc, nous vous passons le message comme ça là pour que chacun d'entre vous prenne des dispositions qu'il peut. Parce que ces gens sont en train de fomenter quelque chose de très dangereux. Voilà pourquoi je me mets en direct aujourd'hui parce que je veux parler en live. Je ne veux pas enregistrer une vidéo. Je veux parler en live. Que chacun écoute bien ce que je veux dire. Moi, Max Seigneur, il voit, depuis que je suis dans ce combat, j'ai toujours été pondéré. J'ai toujours été pondéré. J'ai toujours fait le maximum nécessaire pour qu'on fasse les choses dans un sens vraiment propre et humain. Mais si vous voulez nous déshumaniser, je peux me déshumaniser à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Même Phil Marshall ne va pas voir notre carreau. J'ai dit bien, même Phil Marshall ne va pas voir notre carreau. Ne pensez pas un seul instant qu'on a peur du sang. On n'a pas peur du sang. Donc, appelez-les. Dites-leur de venir. Parce que nous tous, nous avons les familles au Cameroun. Eux aussi, ils ont leur famille au Cameroun, non? À la différence, ils ont leur famille au Cameroun et ici. Donc, c'est-à-dire que nous, également ici, nous allons nous occuper de vous. À tous les niveaux. Voilà. Donc, les gars, essayez de les biper. Les gens qui connaissent mes machin truc là, l'idiot là, bipez-le. Parce que quand vous voulez commencer, nous on se prépare. On se prépare même depuis. Et ensemble, on va faire les vraies choses, les bonnes choses. Comme c'est ce que vous voulez. Depuis, on demande, on parle doucement en pacifisme, on revendique, on réclame, on s'indigne. Vous voulez montrer que vous êtes des sauvages. Vous avez commencé en Amazonie. Ça vous a dépassé. Maintenant, vous voulez encore continuer ça ici, partout de l'autre côté chez nous. Partout, partout, vous voulez continuer ça là. On ne va pas vous rater. À la guerre comme à la guerre. Puisque vous voulez créer des monstres, eh bien, nous serons les monstres que vous voulez que nous soyons. Voilà. Bien. Alors. Je vais vous lire, ah, je vois qu'on est 500 là, je pense que je peux parler vite et puis on finit. Alors, je vais vous lire le foutu communiqué que cette bande d'idiots, ils se sont rassemblés hier, ça c'était hier soir, ils se sont rassemblés pour créer je ne sais quoi. Je vais d'abord vous lire le premier poste, André Lutin Meka, c'est bien lisible là. Lutin André Meka, bien. Tous les jeunes apportent leur soutien à Brenda Bia. Réunion de stratégie de riposte à Douala pour Brenda Bia. Objectif, identifier des quartiers et localisation des ennemis de la République. On ne touche pas à Brenda Bia. On ne touche pas à la princesse Bankou Brenda Bia. Le match ne fait que commencer. Je répète encore. C'est un poste d'André Lutin Meka, responsable du RDPC. Bien. Je ne savais pas que le RDPC, c'est déjà l'administration camerounaise. Genre, c'est le RDPC qui est la police, qui se substitue à la justice et consort. Bien.
Je ne savais pas que le RDPC, c'est déjà la garde présidentielle et tout, et tout, et tout. C'est la DSP, c'est tout ce que vous savez. Il n'y a pas de problème parce que quand vous entendez souvent parler de milice, c'est ça qu'on appelle la milice. Bien. Tous les jeunes apportent leur soutien à Brenda Bialet. Voici, il y a une bande de soulas, des quelques bâtards soulas qui n'ont rien à faire de leur vie. Les voilà. C'est tous les jeunes Camerounais là-bas comme ça. C'est tous les jeunes Camerounais là-bas comme ça. Donc, il écrit. Tous les jeunes apportent leur soutien à Brenda Bia. Réunion stratégique. Réunion de stratégie, autant pour moi. Réunion de stratégie de riposte à Douala pour Brenda Bia. Objectif, identification des quartiers et localisation des ennemis de la République. On ne touche pas à Brenda Bia. On ne touche pas à la princesse Bankou Brenda Bia. Le match ne fait que commencer. Voilà, bien. Maintenant, ce matin, après leur réunion stratégique, ils pondent un communiqué qu'ils adressent au directeur du cabinet civil, Vondo Ayolo. Bien. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils mettent à la tête comité de défense de l'honneur de Brenda Bia, la fille du chef de l'État. Bien. Monsieur le directeur du cabinet civil de la République du Cameroun. Monsieur le directeur du cabinet civil de la République du Cameroun, pas de la présidence de la République du Cameroun. En tout cas, c'est un détail. Objet. Demande d'appui financier pour les opérations de terrain. Demande d'appui financier pour les opérations de terrain. Demande d'appui financier au directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Vondo Ayolo, pour des actions de terrain. Ils sont déjà des policiers, des gendarmes et consorts. Bien. Voilà l'objet de la lettre. Donc, monsieur, en vue d'apporter une riposte proportionnelle à l'humiliation qu'a subie mademoiselle Brenda Bia et à travers elle, tous les patriotes, nous avons élaboré une stratégie de riposte dont vous aurez les détails, type d'action, cible et aire d'opération dans le tableau 6 juin. L'opérationnalité des actions nécessitant environ 26 millions de francs CFA pour les 3 mois que devra durer cette riposte. Nous vous prions de bien vouloir aider financièrement à concrétiser cette opération qui a l'assentiment de toute la communauté Ekan. Qui a l'assentiment de toute la communauté Ekan. Qui a l'assentiment de toute la communauté Ekan. Donc c'est-à-dire, on demande l'argent de la République du Cameroun au directeur du cabinet civil de la République du Cameroun pour mener des opérations de riposte. Ces opérations de riposte seront menées par la communauté Ekan. La milice aux ordres. Cette milice qui a déjà été mise sur pied, qui attendait juste une occasion pour s'exprimer. La communauté Ekan va défendre Brenda Bia. Je ne sais pas au nom de quel Ekan il parle, mais ce que je sais, c'est que c'est une milice. Une bande de malades affamés et assoiffés. Une bande d'idiots qui ne peuvent pas se battre. Une bande de cancres oisifs qui ont décidé d'être les défenseurs de Brenda Bia. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler quelque chose. Paul Biya est le président de fait du Cameroun. De ce fait, ses enfants bénéficient de la protection de la garde présidentielle. Ça veut dire que Brenda Bia au Cameroun bénéficie de la protection rapprochée de la DSP, la direction de la sécurité présidentielle. Cette direction de la sécurité présidentielle est payée aux frais du contribuable camerounais. J'espère que vous avez bien mis ça dans votre grosse, dans votre petite ciboule. D'ailleurs, les sardinats n'ont pas de tête. Je comprends. Donc, Brenda Bia ne souffre de rien au niveau de sa protection ou de sa garde rapprochée en tant que fille d'un chef d'État, même s'il est chef d'État de fait, pour le moment, c'est lui qui est là. Donc, sa fille ne souffre de rien au niveau de la garde rapprochée. De deux,
La brigade anti-Sardina et les Amazones vont continuer de mener les opérations de terrain ici tant que cette petite fille viendra dilapider l'argent du contribuable camerounais ici en diaspora. Ça, c'est d'abord ce que vous devez savoir. Donc, organisez-vous bien. Parce que pendant que vous vous organisez, je dis ici et j'appelle tous les Camerounais qui nous suivent. Puisqu'ils veulent financer les opérations de riposte à nos familles, sur nos familles au pays, eh bien, nous aussi, nous devons collecter de l'argent pour financer nos propres opérations de riposte. Eux, ils veulent l'argent du contribuable. Nous, on va prendre l'argent de la sueur de notre front pour protéger nos familles, pour défendre nos familles. Et le droit à l'autodéfense est un droit universel. Donc, ça veut dire que s'il faut acheter une Kalachnikov pour défendre les membres de nos familles, nous allons acheter ces Kalachnikov. Ce sera pour défendre les membres de nos familles. Et si ils réussissent à atteindre nos familles, nous atteindrons leurs familles. C'est comme ça que ça va fonctionner, que leur famille là soit ici ou là-bas. Un seul cheveu d'un membre de la famille d'un combattant cherche son frère. On brûle toutes les ambassades qu'il y a ici. Je brûle, je pars en prison. Vous, vos maisons, vous tous, les Sardinats là, on va brûler toutes vos maisons ici. On va aller en prison. Ça gâte, ça gâte. Là-bas au pays, on va riposter de la même manière. Vous voulez la sauvagerie, non? On va faire la sauvagerie. Les affaires de comité, de quoi là, d'opération, de terrain, de machin, truc de patati patata. Que le parent d'un seul combattant a seulement les maux de tête. Vous voulez créer des sauvages. Parce que pour vous, le pouvoir, c'est pour vous. Le pouvoir, je ne savais pas que le pouvoir appartenait à la communauté Ekan. C'est la communauté Ekan qui veut défendre Brenda Biamé. Il demande l'argent du contribuable camerounais. L'argent des impôts que nos frères payent. Ils demandent cet argent pour défendre Brenda Bia. Alors que Brenda Bia bénéficie d'une garde rapprochée qui est payée par notre argent. J'ai dit, quand j'ai fini de dire ça, je vais maintenant vous expliquer la bêtise et l'idiotie des Sardinats. Ils disent, ils veulent montrer au monde entier qu'ils aiment trop Brenda Bia. Madame, ma petite soeur, Brenda Bia, ces gens-là ne t'aiment pas. Parce que si ces gens t'aimaient, ils n'allaient pas demander l'argent pour te défendre. Vous aimez trop Brenda Bia, pourquoi vous avez encore besoin de 26 millions pour mener les opérations? Quand on aime quelqu'un, on agit sans demander 5 francs. Donc lorsque vous demandez déjà de l'argent, aide financière, 26 millions pour 3 mois d'opération, localiser les ennemis de la République, nanani nanana, vous avez été mandaté par la République, c'est comment? Vous demandez de l'argent pour défendre soi-disant l'honneur de Brenda Bia. Mais ça veut dire que vous êtes désintéressés. Vous n'aimez pas cette fille. En fait, c'était juste un prétexte. Vous voulez utiliser Brenda Bia comme prétexte pour mener à bien votre sale besogne que vous avez orchestrée depuis. Vous attendiez seulement l'occasion. On connaît tout ça. Ce n'est pas une affaire de plan de riposte. Si ça nous énerve, nous allons commencer avant qu'eux, ils vont riposter. Je ne suis pas dans ces histoires-là. Nous allons commencer, ils vont riposter. Vous voulez un deuxième Ambazonie, ça va arriver. Et je sais de quoi moi je suis capable. Je suis capable de collecter ici 1 million d'euros pour acheter les armes à feu et mener des opérations là-bas dans ce pays-là. Je suis capable. Donc les petites fanfaronnies que vous faites là, ne pensez pas qu'on ne voit pas. Communauté, quand vous portez toujours le nom d'une communauté pour mettre dans vos bêtises. Pendant que vous mangez, les écans sont où? Pendant que vous mangez l'argent du Cameroun, vous mangez avec les écans. Vous mangez avec les écans. À San Melima, à Ebolova, à Yaoundé, à Bétois, partout. Ils sont là dans la souffrance. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de route partout au Cameroun. Mais quand vous voulez faire vos bêtises, vous mettez le nom de la communauté Ekan dedans. Non. Vous là, vous n'allez pas nous mettre dans ce piège. Ce ne sont pas les Ekan qui sont le problème. C'est vous, la bande de Sardinats. C'est vous là, les Anze Luther Meka. Je te jure, Anze Luther Meka, mon ami, ton domicile déjà repéré. Ton domicile déjà repéré. Ta famille déjà repérée. À partir de demain, toute ta famille, on va mettre ici là sur les réseaux sociaux. Et si tu t'amuses, on va mettre une rançon.
Je suis sûr que si j'offre maintenant là 500 000 francs, et je suis capable, j'offre 500 000 francs à quelqu'un de brûler ta maison, elle va brûler. Je ne suis pas sauvage comme toi. Mais j'attends que vous agissez. Nous, on va réagir. Et si vous vous amusez, nous, on agit d'abord avant que vous réagissez. Si tu veux, dans ton pays, et quand dans tes rêves là que tu dis là, on t'empêche de sortir de chez toi, mon ami. Tous ces idiots, vous voulez commencer la guerre, nous avons les moyens de financer ça. Les moyens que vous n'avez pas. Petit 26 millions. Vous demandez, vous commandez l'argent de notre contribuable, vous commandez 26 millions de francs, 26 millions. Vous demandez 26 millions pour mener des opérations. Moi, j'écrase 26 millions ici sur le goudron. Les 26 millions là, nous on cotise ça en un jour, ici. En un jour, chacun donne une Kalachnikov à un membre de sa famille, reste à la maison. Dès que quelqu'un met son pied dans la cour, on le bombarde. Et rien n'y fera. Le gendarme, le policier qui va vouloir jouer aux ailes, lui-même le bombarde. Et rien n'y fera. Vous voulez la guerre, non? On la fera, cette guerre. Commencez. Pour le moment, on peut bien commencer, mais on attend que vous commenciez pour être dans la riposte et être du côté de la loi et du droit. Pour les moyens financiers, on n'a pas besoin de demander. On en a. Vous avez commencé cette sorcellerie chez les Amazoniens, ça vous a dépassé. Vous portez le nom de la communauté et quand pour venir mettre dans vos bêtises. J'ai lu, vous n'avez pas compris, je relis encore. Parce que là, il y a encore plus de personnes. Vous allez comprendre. Voici le communiqué. Demande d'appui financier pour les opérations de terrain. Cette demande d'appui financier s'adresse à monsieur le directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, Vondoyolo. Donc, monsieur, en vue d'apporter une riposte proportionnelle à l'humiliation qu'a subie mademoiselle Brenda Biya et à travers elle, tous les patriotes, nous avons élaboré une stratégie de riposte dont vous aurez les détails, type d'action, cible et heure des opérations dans le tableau 6 juin. Donc, il y a même un deuxième tableau qu'ils ont, mais on n'a pas encore, mais on aura. L'opérationnalité des actions nécessitant environ 26 millions de francs pour les 3 mois que devra durer cette riposte. Nous vous prions de bien vouloir aider financièrement à concrétiser cette opération qui a l'assentiment de toute la communauté Ekang. Samuel Vondoyo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, on lui adresse une lettre pour demander le financement des actions de terrain pour localiser et faire quoi là, et l'assainissement, c'est-à-dire assainir les ennemis de la République. Le directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun est devenu le directeur du cabinet civil des Ekang. Et il porte le nom des Ekang. Ils mettent dans leur bêtise la communauté Ekang. Pendant que Brenda Biya gaspille 3 millions de francs par jour, ici là, la communauté Ekang a l'eau, la communauté Ekang a l'électricité, la communauté Ekang a les hôpitaux. Brenda Biya prend 3 millions de francs par jour pour venir dans les hôtels. La brigade anti-sardinée, les Amazones partent, disent à l'hôtel là que nous ne voulons plus que vous accueillez Brenda Biya ici. Ces gars n'ont même pas touché à cette petite fille parce que nous, on ne touche pas des femmes. Ils n'ont même pas touché à cette petite fille. Ils ont dénoncé. Ils se sont indignés. Ils ont demandé à l'hôtel de ne plus la recevoir. Pour vous, c'était une attaque. Si bien qu'il faut 26 millions pour aller s'attaquer à nos familles, s'attaquer à ceci, s'attaquer à cela. Les gars, s'il vous plaît, commencez, entamez. Et je dis encore ici et je répète, l'opération de riposte, préparons-nous déjà à la riposte. Vous n'allez pas nous mettre en conflit avec la communauté Ekang. Non, vous êtes identifiés, on vous connaît. Quand je parle à mon nom. Je ne parle pas au nom d'une communauté, je parle à mon nom. Si je veux parler au nom d'une communauté, je parle au nom de la communauté combattante qui regorge des Camerounais de tous bords. Je parle au nom de la communauté combattante, je ne parle pas au nom d'une petite communauté, une ethnie, parce que dans ma tête, les ethnies n'existent plus au Cameroun.
Donc vous n'allez pas mélanger la communauté quand dans votre bêtise. Parce que quand vous vous asseyez pour manger l'argent au RDPC, ce n'est pas la communauté quand qui mange l'argent du RDPC. Ce n'est pas la communauté quand Jean de Dieu Momo qui envoie les idiots ici venir menacer les familles des gens n'est pas écran. Jean de Dieu Momo n'est pas écran. Vous avez compris? Laurent Esso n'est pas écran. Donc quand vous parlez, ne parlez plus jamais au nom des écrans. Parlez en votre nom, vous les sardinats là, les gens qui profitent du système depuis des années. Vous qui voulez vous accrocher, vous ne voulez pas quitter. Atangandi n'est pas écran. Vous avez compris, non? Donc parlez en votre nom parce que nous savons qui vous êtes. Et nous allons riposter. On attend juste. Et je dis encore ici, mes chers frères camerounais, rien que pour protéger et pour riposter, pour protéger nos familles et pour riposter, nous devons contribuer ici. Et là, dit que nous contribuons pour acheter le matériel qui sera nécessaire à la protection et à la riposte. À la protection de nos familles et à la riposte contre quelconque individu. Moi, j'ai grandi comme quand à briqueterie carrière, j'ai beaucoup de petits là-bas. Donc celui même qui s'hasarde à mettre ses pieds là-bas dans ce quartier-là qu'on ne connaît pas, il va rentrer, il va partir de là-bas avec les pieds coupés. Il va partir de là-bas avec les pieds coupés. Vous pensez que tout le monde est sur Facebook? Tout le monde n'est pas sur Facebook. On vous attend de pieds fermes. On vous attend de pieds fermes. Tout le monde n'est pas sur Facebook. Hein? On vous attend de pieds fermes. Et nous avons de l'argent pour financer ça. Les petits microbes vous ont dépassé à Douala. Pour que les policiers arrivent, c'était tout un problème. Il a fallu que ce soit les jeunes de Deido qui se lèvent pour dire que mais ça suffit. Avant de calmer un peu le jeu. Les policiers, les gendarmes étaient tous versés chez Maurice Kamto et derrière les militants du MSC. Les microbes là, c'est petit. Nous, on a les parasites. S'il vous plaît, Vondoyolo, financez-les avec l'argent de notre contribuable. Même toi, Vondoyolo, on ne va pas te louper. Je n'ai jamais parlé comme ça. Là, maintenant, je parle comme ça. On ne va pas vous louper. Et quand vous allez commencer, Brenda Biya devra rentrer là-bas au Cameroun parce qu'on n'a jamais dit que Brenda Biya est en danger au Cameroun. On lui demande juste de rentrer faire ses bêtises au Cameroun. Mais dès que ça va commencer, là, même ici en Europe, elle ne sera pas en sécurité parce que nous allons la traquer. Et ce sera la guerre comme à la guerre donc dans ce cas. Nous allons la traquer. C'est comme ça que ça va fonctionner. Mais vous pensez que vous vous adressez au qui là? Vous pensez que les gens sont tombés du ciel? Que nous aussi on n'a pas des familles qui sont capables de protéger nos familles? Qu'on n'a pas aussi des amis au Cameroun? Qu'on n'a pas des personnes qui nous soutiennent au Cameroun? Essayez donc, vous allez voir. Parce que chaque fois quand vous faites vos bêtises, on dit toujours, ah non, laissez, c'est le bavardage des sardinats, laissez, ils vont seulement bavarder. Ils vont... Le tout aussi là, ce n'est pas une affaire de bavardage des sardinats. On commence la collecte aujourd'hui à l'heure où je parle. À tous mes frères qui me regardent, je ne veux pas faire les choses en cachette parce que je ne fais rien d'illégal. Donc je vous appelle ici en cachette, tous mes petits, vous vous connaissez, préparez-vous. Dites-moi seulement combien il faut, envoyez-moi la facture, je vais payer. Vous allez acheter tout le matériel qu'il vous faut pour la protection de qui vous savez. Vous m'envoyez, vous-même vous savez, vous m'envoyez juste la facture, je paye. Même si c'est combien, vous connaissez. Donc ça, c'est encore un message que j'adresse ici, devant tout le monde entier. Je prends le monde entier à témoin. Mes petits, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous restez tranquille, vous attendez. Si quelqu'un bronche, vous coupez ses pieds. Quelqu'un bronche, vous coupez ses pieds. Vous prenez le chalumeau, vous fumez. Comme ça, là, il ne se vide pas de son sang, il ne meurt pas. Et s'il s'amuse, on va même acheter la chaise roulante, on va le mettre dessus, on va le renvoyer. Quelqu'un met ses pieds au quartier que vous ne connaissez pas, vous le voyez rôder seulement à la maison comme ça, vous coupez ses pieds. Vous croyez, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Vous avez vu les jeunes qui sont partis faire ça au notable Baham là, ils l'ont même loupé. Ils l'ont même loupé. Si je connaissais les jeunes là, j'allais leur donner un très gros cadeau. Ils ont loupé. Ici. Tous ceux qui connaissent, je dis bien tous ceux qui connaissent les détails sur André Luther Meka, c'est à la guerre comme à la guerre. C'est lui qui a pris ça sur sa tête, non? André Luther Meka, c'est toi qui as pris ça sur ta tête.
C'est pas les conneries que Sandy de Boston a riposté contre Marie Douala Belle en répondant verbalement. Elle a commencé à pleurer sur les plateaux télé là. Ce n'est pas ça. Le tout, si ce n'est pas en ripostant verbalement, on va te donner une leçon. Chaque petit frère à Douala ou à Yaoundé, là où Angel Lutin Meka se trouve, chicotez-le, envoyez-moi la vidéo. Je vous fais un dépôt de 300 000 francs. Fouettez-le, déshabillez-le même si possible. Fouettez-moi ses fesses-là avec une bonne chicotte. Et vous le poussez même à faire une vidéo pour demander les excuses par rapport à ce qu'il vient de faire. Je mets 300 000 francs en jeu. Je mets 500 euros en jeu. Fouettez-le. Vous le fouettez bien, vous lui donnez une bonne petite leçon. Je mets 500 000 francs en jeu. On va commencer comme ça. Nous avons de l'argent. Vous n'arrivez même pas à vous demander encore l'argent de notre contribuable. 26 millions pour vous attaquer à nos familles. Nous, on n'a pas besoin de l'argent du contribuable. Tous mes petits de New Bell là, mobilisez-vous. Je donne 500 euros, c'est 325 000 francs à la personne qui va me chicoter, André Luther Meka. Chicotez-moi cet idiot. Chicotez-le bien. Je vous dépose l'argent. Et jusque-là, on met une plateforme sur pied. On va financer ce genre d'opération maintenant. On va vous chicoter un à un. Vous n'allez plus parler au nom de la communauté quand vous êtes devenus les gendarmes ou les policiers. Et en plus, vous demandez l'argent de notre contribuable pour aller vous attaquer à nos familles. Opération riposte parce qu'on a dénoncé la gabegie financière de Brenda Bia. Parce que vous cherchiez juste une occasion. Voilà, merci beaucoup. Voilà encore une personne qui ajoute 500 redons. Ça fait 1000 euros pour la personne qui va retrouver André Luther Meka. Le chicoter nous a envoyé la vidéo. Ça fait 1000 euros. Ça fait 650 000 francs, les gars. Envoyez cette vidéo à tous les jeunes. Dites-leur que ces idiots se sont assis sur le contribuable. Ils ont bouffé l'argent du contribuable. Et quand on vient dénoncer, ils veulent s'attaquer à nos familles. Ils veulent s'attaquer encore à nous. Parce qu'on dénonce la gabegie financière. J'ai dit, les gars, les microbes, moi j'appelle même les microbes là, les gars, vous n'avez pas besoin de vous attaquer aux populations, les gars. On a besoin de vos services. Vous n'avez pas besoin de vous attaquer aux populations, les gars. On a besoin de vos services. Laissez les populations souffrent. Nous savons que vous, les gars, les microbes là, nous savons que vous souffrez à cause de ce régime. Laissez ne vous attaquer plus aux populations, je vous en supplie. Ne vous attaquez plus aux populations, je vous en supplie. Cherchez-moi André Luther Meka. Et toutes les personnes qui vont encore s'azarder à parler au nom d'une communauté pour cogner les têtes entre les communautés et créer la guerre intercommunautaire au Cameroun, trouvez-moi-les. Que cette personne soit Bamileke, Bassa, Nordine ou n'importe quoi, trouvez-moi-les. Fouettez-moi-les. Envoyez les vidéos, on vous envoie l'argent. Ça fait 1000 euros. Il y a une personne là qui a dit qu'il met encore 500 euros sur les 500 euros que j'offre. Ça fait 1000 euros. Qu'un seul cheveu quitte. J'ai dit qu'André Luther Meka, toi tu es maintenant le garant. Tu vas garantir la sécurité de nos parents au pays. Vous voulez qu'on soit sauvage? Tu vas garantir la sécurité de nos parents au pays. Un seul cheveu d'un parent d'un combattant cherche son frère. Mon gars, tu es mort. Si tu as même une femme et les enfants, tu es fini. On va vous fouetter. Nous, on ne tue pas. Hein. On n'est pas comme vous. Comme vous vous promettez que vous allez tuer, nous, on ne va pas vous tuer. Parce qu'il y a des choses qui sont pires que la mort. Il y a des choses qui sont pires que la mort. Vous savez, non? Donnez-moi un peu deux secondes. J'ai mis le chauffage comme je suis dans la voiture et tout ça là. Donc du coup, comme il fait froid dehors, ça chauffe. Ah oui, Mirabel, on va financer les microbes et le problème là sera... Mais les gars, les microbes, quand vous sortez, vous attaquez aux populations, vous ne gagnez rien les gars.
Nous, on va s'occuper de votre financement. Vous allez nous trouver les gars là et vous allez les chicoter. Vous les fouettez avec la ceinture, avec le tuyau à gaz. Vous fouettez, vous filmez, vous nous envoyez la vidéo. C'est comme ça que ça va fonctionner maintenant. Voilà. Voilà encore une personne qui met 100 euros. Les gars, on va mettre une collecte de fonds ici, sur place. On va mettre une petite collecte ici, sur place. La collecte là ne bouge pas. Ce sera seulement pour ce genre d'action. Dès que quelqu'un chicote bien Andrew Luther Meka, il nous envoie la vidéo, allez, bang, on lui vit l'argent là. Ça fait, il y a 1100 euros. Les gars, il y a 1100 euros sur la personne qui va nous chicoter, chicoter, fouetter Andrew Luther Meka avec le tuyau à gaz. Vous voulez la guerre? On va vous montrer. Vous voulez monter les communautés entre eux? Brenda Biya vit avec l'argent du contribuable camerounais et non l'argent des écans. Bande de racailles. Pourquoi est-ce que vous voulez à tout prix monter les écans contre les autres communautés? La sorcellerie vous donne quoi? Pourquoi vous voulez à tout prix que les communautés détestent les écans? Or, ce ne sont pas les écans qui ont le pouvoir. C'est Paul Biya et sa bande. C'est comme ça. Parce que la grande majorité de la famille Ekang, je la connais, elle souffre autant que nous. Elle souffre autant que nous. Voilà Julien Larissa Komol qui met encore 500 euros. Karine Richaud, si tu es connectée, crée-moi rapidement le lien PayPal là ici. Chacun met sa contribution dedans, laisse ça en ligne. Dès que quelqu'un nous envoie la vidéo dans un lutin, mais qui est en train de pleurnicher, qu'il est en train de le chicoter, allez, pan, allez, on lui vit l'argent là directement. Moi, je ne touche pas ça. Hein. C'est vous qui gérez ça. Voilà encore une autre personne qui met 400 euros. Les gars, on est déjà à 2000 euros. 2000 euros, ça fait 1 300 000 pour la personne qui va me chicoter Andrew Luther Meka. Vous ne le touchez pas à la tête là où peut-être il peut avoir un mal vital. Non, vous me fouettez ses fesses. Vous appelez à la guerre au Cameroun parce que vous voulez monter. Vous voulez que le génocide du Rwanda se passe au Cameroun. Vous voulez monter toutes les communautés contre les écans. Vous voulez monter les communautés entre elles. Alors que ce ne sont pas les écans qui gèrent le Cameroun, c'est vous les sardinards. Les Nganou Djoumessi. 1 km de route à 60 milliards. Nganou Djoumessi est écan. Laurent Esso est écan. Issa Tiroma est écan. Atanganji est écan. Ketcha Koutes est écan. Ce n'est pas une affaire des écans. Parce que quand on parle à Sanmélima, on part à Djoum, on part partout. On voit comment les écans souffrent et même parfois plus que nous. Vous exploitez le pays et après vous voulez aller vous cacher derrière les écans. Parce que vous voulez même monter les écans pour dire non, c'est une affaire du village. Ils veulent prendre le pouvoir. Depuis que vous êtes au pouvoir, là, vous avez fait quoi pour les écans? On ne va pas tomber dans ce piège. C'est vous qu'on va cibler. C'est vous qu'on va cibler. Les démons que vous avez fabriqués au Cameroun, là, les petits Nangaboko, les microbes, tous ces gars, les démons que vous avez fabriqués au Cameroun, c'est ces démons-là qui vont vous détruire. Les microbes, contactez-nous. Contactez-nous. On ne se cache plus. On ne se cache plus. Voilà quelqu'un qui met encore 250 euros. Contactez-nous, on ne se cache plus. On ne se cache plus. Voilà, ça fait il y a plus d'un million. Ça fait plus d'un million. Là, ça devient quoi? La personne qui va m'arrêter, André Luther Meka, le chicoter, je le répète encore et j'assume mes propos. La personne qui va le chicoter, nous envoyer la vidéo. On lui vit les 1 million. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Nous, on a l'argent. Vous vous commandez l'argent du contribuable camerounais. Vous sortez les escroqueries. Pour escroquer les Camerounais qui utilisent les téléphones portables tranquillement. Vous sortez tout genre d'escroquerie. Vous volez l'argent du contribuable pour venir encore demander l'argent du contribuable pour aller vous attaquer aux familles des gens. Et là, un oiseau. Attendez, vous allez voir. Karine Richaud, s'il te plaît, crée-nous le lien PayPal là rapidement. On met ça là. On met l'argent là et on présente aux Camerounais que voici l'argent qu'on a collecté pour que André Luther Meka soit chicoté. La barbarie, là, on va la faire. Il va demander pardon, non seulement à la communauté Ekando, il utilise le nom pour rien. Et à toutes les personnes qu'il a offensées avec leur foutu communiqué de merde, là. Vous voulez vous attaquer à nos familles.
Essayez donc, vous allez voir. Vous voulez vous attaquer à nos familles. Comité de défense. Voilà encore quelqu'un qui met encore 500 euros. C'est bon, les gars. Comité de défense et de protection des familles des combattants au Cameroun. On va protéger nos familles par tous les moyens. Puisque vous avez pris la gendarmerie, vous avez pris la police, vous avez mis dans la poche. Nous, on va contribuer pour protéger nos familles. On a ce droit. Touché à un seul cheveu. Mais pour le moment, André Luther Meka, et tu vas nous dire qui sont les gens de votre comité. Qui sont les gens de votre comité? Tu vas nous dire qui sont les gens de ce comité-ci qui demandent à s'attaquer aux familles des gens. Parce que nous, là, quand on est allé dénoncer Brenda Biya, on ne s'est pas attaqué à elle. Hein. On défend le Cameroun, on défend les caisses du contribuable camerounais. Personne n'a mis la main sur Brenda Biya. Pourquoi vous commencez à dire que vous allez tuer nos familles jusqu'à tout un ministre de la justice, Jean de Dieu Momo, vient, il commente, il est content. Tout un ministre, Jean de Dieu Momo, ton tour arrive. Ton tour arrive. Vous voulez créer la guerre entre la basse société au Cameroun et vous. Vous êtes très peu. Nous sommes nombreux. Et nous avons les moyens. Nous vous avons démontré dernièrement. Donc nous avons les moyens. Nous sommes capables ici en une semaine de déposer 100 000 euros sur la table. En une seule semaine, on met 100 000 euros sur la table. 100 000 euros, ça fait 650 millions de francs. Et imaginez même un militaire, quand il voit 650 millions, 1 million d'euros, ça fait 650 millions, autant pour moi, je ne parlais pas de 100 000. 100 000 euros, c'est 65 millions, désolé pour le lapsus. Un militaire voit 65 millions d'euros, 65 millions de francs CFA. Il peut faire quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer, après il fuit. Méfiez-vous, nous avons les moyens. Si on est calme depuis, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas être sauvage. Si on est calme depuis, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire comme les ambazoniens. C'est parce qu'on estimait encore que vous avez un peu de bon sens. Mais puisqu'on voulait nous montrer que vous êtes des animaux sauvages, on va vous traiter comme des animaux sauvages en nous comportant également comme des animaux sauvages. À la guerre comme à la guerre. Pardon Karine, crée le lien là, tu m'envoies ça directement, je poste ça sur mon mur, là là là. Dans les minutes qui suivent, que chacun mette ce qu'il peut pour protéger les familles de tous les combattants. Je n'ai pas encore parlé à quelqu'un avant de faire ce direct. J'ai pris cette initiative moi seul. Mais voilà déjà plus de 2500 euros que les gars ont déjà promis. Rien que pour la personne qui va nous chicoter André Luther Meka. Nous chicoter cet idiot. Le fouetter, faire la vidéo où il demande pardon. Vous allez me le fouetter ce gars. Fouettez-me-le. Et on vous vit les 1 300 000. Ou c'est combien? Oui. Pour le moment, on a 1 300 000. C'est devenu quoi dans ce pays de merde? Les menacer les gens n'importe comment. Karine, pardon, crée le lien là. Chacun va encaisser sa dose. C'est comme ça que ça va fonctionner maintenant. À la guerre comme à la guerre. Vous voulez créer des sauvages. Vous voulez créer des animaux. Nous sommes des animaux. Les microbes. Envoyez les vidéos aussi aux microbes de Douala. Les gars, laissez les mamans, les bayam salam, les boutiquiers, laissez-les. Laissez-les. Vous voulez l'argent? Venez nous contacter. Nous allons vous dire quoi faire. Nous allons vous donner l'argent pour ça. Ne vous attaquez plus aux populations. Laissez-les. Nous allons vous charger des missions. Et nous allons vous financer. Nous avons l'argent. Nous avons les moyens. Nous avons l'argent. On va faire ça maintenant. Chacun va comprendre ça sur lui. On va faire ça. Et si vous voulez fuir le Cameroun, vous n'allez pas fuir. Parce qu'ici en Europe, vous allez nous trouver. Vous ne pouvez pas fuir. Mes chers microbes, mes frères, mes petits de Comcanaï, tous là, j'ai dit mes petits, de la briqueterie, tout, je sais, vous savez. Ils se reconnaissent. Les gars, organisez-vous. Dites-nous seulement ce qu'il faut. On vous donne ça. Organisez-vous. Dites-nous, on vous donne. Les microbes là, à Douala, organisez-vous. Dites-nous ce qu'il faut, on vous donne. On va vous donner les missions. Vous n'avez pas besoin de découper les gens avec les machettes, tout. Jetez les machettes. Utilisez que les tuyaux à gaz. Vous me les chicotez. Ils vont se calmer. C'est devenu, c'est trop. Et quand c'est trop, c'est laid. Et moi, je dis et je répète, on va acheter les armes à feu pour défendre nos familles. Nous avons ce droit. Même si c'est les Kalachnikov, on va acheter pour défendre nos familles.
C'est comme ça que ça va se passer. Mais en ce qui concerne André Luther Mekala, les gars, il y a déjà 1 300 000 qu'on a mis en jeu pour lui. 1 300 000. Pour celui qui va arrêter André Luther Mekala, le chicoter, filmer la vidéo, le fouetter bien, nous envoyer ça. On poste sur les réseaux sociaux. Vous allez nous sentir. Passez une bonne journée. Je vous reviens avec le lien là tout à l'heure. Je poste le lien là tout à l'heure dans 30 minutes.